ターチョC'est censé suivre l'arc. Ouais, mais bon. De toute façon, ils vont pas la regarder cette vidéo. D'abord. Ouais, c'est vraiment juste pour la, comment tu dis, pour la forme, quoi. Ouais. J'ai l'impression. Donc, ils sont ce qui est très japonais d'ailleurs. Hein. Tu ne remets pas en question les habitudes. Pas aller contre le système. Bon, c'est plus une tôle là. On s'est pris combien ? 1-0. Ça faisait 2-2, donc. Ouais. Bah oui, ils ont gagné parce que c'était la belle. Bon, t'as vu tout de suite, ils nous ont pas laissé une seconde de plus. Hein. Alors c'est vrai que j'ai gueulé, hein, parce que nous, quand il y avait l'égalité, ils ont tiré la dernière minute jusqu'à que lui la mette dehors. C'est un de l'autre. Un de l'autre formation. Hein. Les autres, quoi. D'abord, on les appelle pas. Mais si je voulais dire, ce Yoko Satomichi, elle parle très bien français. Oui, très très bien français, elle travaille dans la pharmacie, elle est chimiste. Et on est vu, je t'ai vu chez elle, ouais. Maintenant je me rappelle, elle avait fait une soirée crêpe ou je sais plus quoi. Soirée alors, j'aurais peut-être été invité par quelqu'un directement, parce que le nom me dit vraiment rien. Je t'ai vu une fois, ouais. Et on s'était échangé les mails, ouais. Mais on s'est pas contacté en fait. Rappelle-moi ton prénom, excuse-moi. Laurent. Ouais. Tu sais quoi ? Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi... Parce que moi, j'étais allé à la pétanque de l'Espace France il y a 3 ans. Oui, mais moi, je suis à toutes les pétanques. Ouais. C'est peut-être vu à la pétanque. Peut-être, ouais. J'aurais bien aimé. C'était cool. J'en ai fait qu'une avec Espace France. Après, je fais avec France Conseil, la pétanque à... J'ai fait une fois France Tandis avec pétanque, sur le bord de la rivière. Voilà. C'est où déjà, mais j'ai. C'est entre Kobe, là-bas. Entre Kobe et Osaka, c'est pas mal du tout, ouais. C'est pas mal du tout là-bas. Oh, easy. Ah, entre les jambes, ça s'est fait mal pour le gardien, ça. C'est humiliant. C'est humiliant, ouais, c'est humiliant. Sylvain, il joue au foot avec vous ? Non. Nice try ! Nice fire ! Et puis, tu connais Christophe et Carole ? Ouais, Christophe et Carole, mais on se voit une fois dans les nuits, quoi. On doit toujours se faire une partie de tarot. Moi, il veut m'inviter. Moi, je le vois souvent par le France Kansai. Ah oui. Il veut que je passe à la maison et tout. Parce que lui, il cuisine très bien, il veut cuisiner. Ah oui. Ouais, c'est un sacré cuisseau. Là, il est en train de monter des leçons de cuisine. Ouais. Ce qui est pas mal du tout. C'est pas mal du tout ce qu'il fait en fait. Parce qu'il est photographe, mais le problème, c'est en freelance et ça rapporte pas les nouvelles licences. Et là, je crois qu'il est en train de monter des leçons de cuisine. J'ai fait ça. C'est vrai ? Ouais, 8 ans, 7 ans. Ah ouais ? J'ai arrêté. Cuisine ? Avec les japonais ? Oui, cours de cuisine. Mais à l'espace France. Oui, mais non, oui. Mais pas l'espace France. Ah, pardon. Oh, oui, l'espace France. Non, parce qu'il y a aussi. Oui, l'espace France, entre autres, j'ai fait ça en privé aussi. Privé. Chez les gens. Mais est-ce que ça marche pas mieux que des simples leçons de français, par exemple ? Est-ce que de faire le français, par exemple, en cuisine ? C'est bien, mais c'est éreintant, c'est vraiment beaucoup d'énergie de déployer pour pas beaucoup de fric. Ah, parce que tu lâches les ingrédients. Hein. Oui, et puis le matos, ça, il faut avoir une remorque. Tu t'imagines pas. Parce que quand tu as au-delà de 10 personnes, ouais. Il faut 2-3 gamelles, les feux, le four, le machin, le truc. Ouais. C'est vraiment, vraiment beaucoup de choses. Donc quand tu fais avec les écoles, etc., je dirais que. Le fruit, tu le partages, donc déjà, t'en as qu'un motif. Ce qui est un peu normal, parce qu'ils amènent les élèves au local. Ouais. Donc ce qu'il faut, c'est que tu mènes toi-même tes trucs, que tu amènes ta clientèle. Donc là, ça prend du temps, c'est long, et puis... franchement, non. Lui, il monte ça via Facebook, hein, il recrute par Facebook. Ben, peut-être je pense qu'il connaît beaucoup de... Facebook, avec bien, le réseau France Kansai, il connaît beaucoup d'étudiants.
mais c'est vraiment beaucoup d'énergie. Je pense, ouais. Mais bon, t'aimes cuisiner ? Ouais. Ouais, quand même, malgré tout, c'était beaucoup d'énergie, quoi. C'était beaucoup d'énergie. Ah, vraiment beaucoup. Vraiment beaucoup. J'en faisais 6 par an, 6 dans les écoles, plus les privés. Ouais, mais bon, c'est clair. Donc si ça faisait une par mois, un par mois. Mais si tu limites, si tu fais genre 3-4 étudiants. Mais j'ai mes cours, en plus. Ouais, voilà. Donc, mais lui, il est à la maison, la plupart du temps. Ah, bah, s'il fait que ça, oui, peut-être. S'il fait que ça, mais moi, c'est en plus des cours. Donc, il faut faire les courses. Moi. Allez, puis les ingrédients, ouais. Tu les achètes pas au même endroit. Il faut que tu cours partout dans ton sac pour trouver les ingrédients. Donc, moi, je marchais avec les restaurants. En fait, les chefs, quand ils passent une commande de canard, parce que canard frais, etc., donc ça arrive de France, il y a un avion qui arrive toutes les semaines. Enfin, il doit connaître, hein, il y a que deux fournisseurs sur France. Hein. Et donc, il te rajoute sur la liste, parce que sinon, tu payes l'impôt. Donc, si le chef, il te rajoute sur sa liste, en fait, tu as au prix restaurant. D'accord. Donc, les ingrédients, il faut déjà les toucher à la chaîne. Moi, je trouve que. Non, mais moi, je trouve que le concept est bien. Quoi. Ah, le concept est bien, bah oui. Moi, je voulais monter une école. Premier étage, les cours. Deuxième étage, cuisine. Troisième étage, cinéma. Tu vois ? Ouais. en fait, le marché des écoles françaises n'est pas assez. Et puis assez ganky. Il y a 10 ans, les gens, ils dépensaient. Mais maintenant, ils regardent. Ouais. Il n'y a pas beaucoup d'élèves dans les écoles. Écoute, moi, je suis sur Fine Students depuis des années. Là, oui. Et j'ai un contact tous les 1000 ans. Ouais. Et j'ai chopé une étudiante il y a de ça. Ouais. C'était quoi ? C'était il y a quelques mois. Fine Edition. Première. SenseiSagasu.com. C'est le meilleur. C'est le meilleur ? C'est le meilleur. Je pense. Hein. Mais écoute, elle m'a contacté. Je suis allé la voir. J'ai fait une leçon test, mais j'avais quand même mis, je voulais quand même qu'elle paie 1005 ou 2000, quoi. Même pour la leçon test. Ouais. Parce que j'ai fait des leçons test et des fois, après, quand même, il faut préparer. Ouais. Et elle m'a. Last one play! Elle m'a choisi, elle m'a dit, je te vaux toi comme prof, j'ai un bon contact, j'aime bien. Semaine suivante, on fait un cours, après 2 semaines, après 3 semaines, après 1 mois, après tous les 2 mois, maintenant plus rien. Super quoi. Dragon Flight, non mais il y a moins de monde quoi, il y a moins d'argent pour ça. Moins d'argent.